Bonjour à tous, c'est Xavier pour Contrôle Algeek. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit test d'un site internet de tirage photo que j'ai pu tester ces derniers jours. Il s'agit du site tiragephoto.com. Donc, grâce à leur aimabilité, ils m'ont offert un tirage, donc un agrandissement en l'occurrence. Donc, ce qui m'a permis de pouvoir tester gratuitement le site et puis de pouvoir vous faire un petit retour là-dessus sur le produit et sur le site en général. Voilà, donc j'ai reçu cette petite lettre très très bien protégée qui contient donc mon agrandissement. J'ai pris un 24-30 qui coûte 2,60 €. Je vais vous faire voir un petit peu ce qu'il en est, puis je vais pouvoir vous faire mon retour là-dessus. Donc côté emballage, rien à dire, c'est impeccable. Une enveloppe rigide qui protège bien l'agrandissement. Ensuite, la photo est bien protégée dans un petit sachet qui permet de ne pas l'abîmer. Et donc bon, après l'agrandissement, au niveau qualité, là je ne vais pas pouvoir vous le faire voir à l'appareil photo, mais c'est vraiment très correct. Dans la mesure où la photo que j'ai envoyée n'était pas exceptionnelle, c'était un JPEG qui faisait 1200 pixels, je crois. J'avais que ça sous la main, mais vraiment la qualité est très 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 correcte. Les couleurs sont fidèles par rapport à moi, ce que j'avais à l'écran sur mon ordinateur. Peut-être un poil plus foncé, mais vraiment aucune déception de ce côté-là. Donc côté site et côté rapidité, donc j'ai créé mon compte. Dans la foulée, j'ai pu envoyer simplement mes photos. On crée ce qu'on appelle des albums, donc dans lesquels on peut ajouter des photos qui vont ensuite nous servir à pouvoir les utiliser pour impression tout de suite ou plus tard. Voilà, donc moi j'ai ajouté cette photo-là dans mon album, puis j'ai choisi agrandissement. Et ensuite, j'ai validé la commande et donc elle a été traitée relativement rapidement le lendemain et puis expédiée dans la foulée. Donc vraiment, rien à dire, c'est très très rapide. C'est pas toujours le cas dans les sites de tirage photo que j'ai déjà pu tester auparavant. Donc vraiment un bon point. Au niveau du contact avec le site, j'ai eu l'occasion de les solliciter déjà pour pouvoir avoir ce tirage, mais aussi après pour pouvoir avoir des nouvelles de ma commande. J'ai eu des réponses très très rapides. Généralement c'était dans la demi-journée où je les avais contactés, donc très bon point. Vraiment, donc je suis satisfait de ce site. Bien sûr, ce n'est pas les sites, les gros sites que l'on peut connaître. Là, c'est une petite entreprise made in France qui gagne à être connue au final, qui est basée en Charente. Et vraiment, j'ai rien à redire. Mis à part peut-être l'aspect global du site, mais là, c'est plus le développeur web qui parle, qui n'est pas forcément attrayant de prime abord. Donc là, je vous mets un petit screenshot. C'est le seul point vraiment que je puisse reprocher au site, puisque en termes de qualité, sur le produit qu'ils m'ont envoyé, rien à dire, c'est vraiment bon. Donc je suis en train de voir aussi avec eux pour pouvoir vous offrir un petit cadeau pour les fêtes de fin d'année, peut-être plus tard, quand ça se décide, qui vous permettra aussi de gagner un tirage. Donc on est en train de voir ça avec tiragephoto.com. Je vous promets rien, mais j'espère vraiment pouvoir vous faire gagner ça prochainement. Donc voilà, c'était tout pour ce test. C'était court, mais c'était pour vous faire un petit retour vidéo aussi, en plus de l'article que vous pouvez retrouver sur contrôlealgeek.fr. Voilà. Donc c'était Xavier, je vous dis à très bientôt sur contrôlealgeek.fr et n'hésitez pas à partager les articles et puis à partager la fanpage Facebook. Voilà, à bientôt.